Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce cinquième dimanche de Pâques de l'année A, la parole de Dieu nous invite réellement à prier, à méditer sur ces discours d'adieu de Jésus qui en réalité prépare ses disciples à être dans une attitude de foi. À l'accepter, à accepter des évidences, à accepter la souffrance, à accepter le désarroi, à accepter des situations très difficiles qui peuvent arriver dans notre existence et dans notre vie. Bien-aimé dans le Christ, à travers ces discours que nous pouvons appeler des discours d'adieu de Jésus, cela se réfère comme les discours ou bien comme la récitation. Rappelez-vous de la récitation, le texte de La Fontaine, Jean de La Fontaine, l'élaborer et ses enfants. Un riche, L'aboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous le fera trouver et vous en viendrez à bout. Bien-aimés dans le Christ, je voudrais justement prendre euh, un peu de courage. Voilà, Jésus. Nous dit clairement qu'il va souffrir la passion, qu'il va mourir, mais il va ressusciter. Les disciples sont dans les désarrois. Comme nous aussi, nous sommes généralement dans les désarrois, les désarrois quotidiens, les souffrances de tout genre. En ces temps de coronavirus, les, détresse, les détresses de tout genre, la peur de tout genre, et cela constitue les différentes euh, situations malheureuses qui vont surgir dans la vie des difficultés psychologiques mentales euh, psychiatriques euh, physiques ainsi de suite économiques voilà le désarroi les apôtres ne comprennent rien et thomas dit maître nous ne connaissons même pas où est-ce que tu vas mais comment on peut te suivre on ne sait pas où est-ce que tu vas qu'est-ce qui se passe et jésus lui dira j'ai su la vérité le chemin et la vie voilà c'est lui qui me suit entre justement dans ces trois réalités. Jésus est le chemin, un chemin à suivre. Jésus ne se présente pas comme un but en lui-même, comme la fin de tout, mais il se présente à ses disciples comme un chemin à suivre. Aujourd'hui, le Christ se présente à nous comme un chemin à suivre. Bien aimé dans le Christ. Voilà. Mais parce que c'est lui qui nous conduit vers le Père. Suivre le Christ, c'est découvrir l'amour infini de Dieu pour tout homme et pour toute femme, pour toute personne créée à l'image de Dieu. Jésus nous invite et nous montre comment devenir enfant du Père, comment entrer dans la filiation divine, comment aimer, comment servir, comment pardonner. Le suivre dans cette façon de vivre. Jésus est la vérité. Suivre le Christ, c'est trouver un sens à notre propre vie qui trouve le sens dans la vie du Christ. Faire ce qui est juste, ce qui permet de construire un monde où chacun ou chacune de nous est respecté, mais surtout est aimé. Jésus est la vérité parce qu'il est la parole du Père. Jésus porte en lui, bien-aimé dans le Christ, cette plénitude de la révélation du Père. Ainsi, il communique à tout homme, à toute femme, la vie même de Dieu. Bien aimé dans le Christ, nous devons faire la vérité envers nous-mêmes, si nous sommes réellement créés. Faire la vérité envers nous-mêmes et être cet artisan de la vérité, qui travaille pour la vérité, qui communique la vérité, qui respire la vérité, qui inspire la vérité. Bien chers frères et sœurs, Jésus est la vie. Il apporte à chacun, à chacune de nous, cette vie. Cette vie qui ne meurt pas, la vie éternelle, la vraie vie. Jésus pour nous est la vie. Jésus pour nous est l'amour. Vivre, c'est aimer. Toute la vie de Jésus au milieu de ses frères et sœurs, au milieu des hommes et des femmes, est une révélation de l'amour donné, partagé, de l'amour qui invite à la liberté. Donc suivre le Christ, c'est donc bien cette joie de croire, cette joie de vivre de l'amour de Dieu, cette joie de consoler toute personne. Bien aimé dans le Christ. Et donc, comme il est le chemin, la vérité, la vie, si nous entrons dans cette intimité, comme à la question de Philippe, Jésus dit, qui me voit, voit le Père. Jésus voudrait que nous puissions entrer dans cette intimité d'une façon profonde, être ses amis, être les amis du Christ, être des champions de l'amitié selon le Christ, pas des champions de la trahison, pas des champions de cache-cache, de, de ne pas dire la vérité, mais le Christ nous invite justement à limiter lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il voudrait que nous puissions être de vrais champions de sa résurrection, être des témoins de sa résurrection. Cela nous renvoie à la première lecture d'aujourd'hui, le livre des actes des apôtres, les actes des apôtres, hein, le craquement qui y a eu entre euh, la communauté euh, hébraïque et la communauté grecque, le service, être au service des autres rendre service. L'Évangile nous invite à être des témoins de cette résurrection pour rendre service aux autres. C'est un service qui doit être dans la vérité. Un service dans la vérité, pas un service de cache-cache. Mais nous pouvons arriver à, à cette façon de vivre, de que la Christie, si nous sommes réellement dans la vérité. Mais si et seulement si nous croyons à cette vérité. Croyons au Christ ressuscité qui nous invite au quotidien à marcher avec lui. Ainsi, nous n'aurons pas peur. Ainsi, notre cœur ne sera pas bouleversé. Ainsi, nous n'allons pas commencé à, à divaguer partout, à vagabonder inutilement à sa recherche. Le Christ est dans ton cœur. Le Christ est dans la forme de tes frères et sœurs. Le Christ est, la est dans la forme de ta famille. Le Christ est dans la forme de toute personne que tu peux rencontrer dans ta vie. Il est là. Crois en lui. Fais-lui confiance, il va toujours te donner le courage de marcher avec lui, parce que lui est la paix. Il nous offre cette paix intérieure, il dit, c'est la, la vraie grâce, c'est le vrai don que je vous offre. Recevez cela et vivez de moi. Le Christ voudrait que nous puissions vivre de sa présence au quotidien. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.